Finalement, ce qui me plaît, moi, dans le poids du ciel, c'est vraiment la liberté de recevoir, d'entendre les choses extrêmement simples. Et elle dégueule. Voilà, super. Attention que ça n'influence pas trop ton corps, Faïs. C'est toi qui le fais plus qu'elle, là. C'est une chorégraphie en trois étapes. Il y a l'histoire que je me raconte, que je raconte aux danseurs, et ils s'en font aussi une histoire. Et puis, il y a l'histoire que le spectateur se fait en voyant tout ça. Elle est très marquée par l'environnement urbain. Et très souvent, d'ailleurs, je demande à mes danseurs de se laisser inspirer, de se laisser emmener par l'architecture intérieure d'un bâtiment dans lequel on répète, dans lequel on travaille. On bidouille, on traficote des choses. J'ai l'impression que c'est un petit boulot d'artisan, voilà, artisan du corps. Thank you.
Pour moi, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'offrir au spectateur une parenthèse de vie et qu'il a la possibilité de se laisser embarquer, de se laisser emmener dans une part de rêve. Voilà un petit peu pourquoi souvent mes propositions sont assez oniriques. Souvent, j'aime travailler le geste, le costume, la lumière comme un monde décalé, un monde qui n'existe pas. Des formes, des ronds, des lignes droites, des embrouilles, du contact, des gens qui ne se connaissent pas, populaire, le haut, le bas.